Salut tout le monde, c'est Kirito de Charlatan en France. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Memory des Frags aujourd'hui, donc pour les récompenses de ranking. Donc c'est parti, on va aller chercher tout ça. Donc vous voyez, ça fait beaucoup parce qu'il y a deux récompenses de ranking, c'est-à-dire le ranking solo et le ranking qui a été fait en guilde. Donc du coup, il y a beaucoup de récompenses à récupérer, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est assez énorme. Et puis ça fait plaisir surtout. Hop, voilà, donc 45 MD, c'est pas fini. Le 5. Le 50, alors là, il y avait beaucoup de MD, hein, c'est affolant. Hop. Voilà, on a gagné 110 MD rien qu'avec les récompenses du ranking guild et solo. C'est vraiment énorme. Ce qui est bien, c'est que j'ai déjà bientôt assez pour faire la multi pour portail vote qui va venir. Hein, parce que je pense que la multi sera à 200, celle-là ne sera pas à 125. Ça m'étonnerait qu'il la mette à 125. Du coup. Tac. Et donc du coup ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller faire des tirages de médailles. Bon, j'ai pas eu le temps de finir l'autre événement, le pseudo crade d'Halloween. Donc du coup, il me manque encore quelques médailles, mais bon c'est pas grave, on va déjà tirer avec ce qu'on aura déjà eu là, ce sera déjà pas mal, parce que si vous regardez là, j'ai toujours pas fini le rang, le rank de l'étage 25, parce qu'il faut que je le repasse. Et j'ai encore quelques médailles à récupérer, bon, c'était pas non plus beaucoup quoi, c'était genre une, deux, trois, ouais, trois médailles, donc c'est pas non plus la mort. Voilà, donc là ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller dans, où est-ce qu'il est le ranking solo, il est là, voilà, pour aller chercher nos petites médailles, donc là on a 12. Donc là on n'a pas assez d'argent en argent, bon, c'est pas grave, mais on pourra faire deux bronzes et une or pour avoir une Lisbeth qu'on pourra donc mettre level 85. Donc c'est parti. En plus je crois que je suis pas loin de la mettre level 5 étoiles, il manque juste un petit truc et vous l'avez vu, c'est dans les points, donc il faudra que je le récupère dans les points du ranking, enfin pas du ranking mais de l'encrade, voilà. Donc du coup on va commencer d'abord par les gold, enfin pas les gold mais les scouts bronze, où est-ce qu'elle est, non, et c'est là, voilà, en espérant avoir peut-être une 5 étoiles, pourquoi pas, ça serait cool, parce que voilà, je serais pas mécontent, mais bon, après on verra bien, puis si ça marche pas, bah tant pis, hein. Allez. Ça fait du cristal actif en plus. Donc là, on part sur un 2 étoiles, je pense. Oui. Bon, minimum 2 étoiles. Bon, c'est peut-être 3, mais. Bon, c'est 2. Ok. Et enfin, la petite deuxième. Bon, ce sera un 2 aussi, du coup. Un 3. Peut-être. C'est un 2. Je pense que ce sera un 2 encore. Voilà. Ah, bah, c'est exactement le même personnage en plus. Ils sont pas foulés la rampe. C'est vraiment la malchance incarnée. Donc voilà. Et puis bah du coup il ne reste plus que cette petite récompense là. Donc là forcément. Hein. Alors tac tac. Maintenant on va les voir dans le parti. Parce qu'on va les mettre bien sûr Lisbeth Halloween à 85. Là hein, qu'on va mettre dans les attributs. Voilà, donc ouais, regardez, vous voyez, il me manque un et je l'ai pas encore eu dans les points de l'encrade. Donc ce qui est sûr, c'est que c'est bien, je pourrais au moins l'avoir 5 étoiles sur, donc peut-être pas 5 étoiles level 100 parce que voilà, j'ai pas non plus des personnages d'arc de ouf pour arriver dans des hauts classements au ranking pour avoir plus de médailles possible, mais déjà 85 5 étoiles, ce serait déjà plutôt pas mal. Pour un type de personnage que j'ai pas beaucoup et que j'ai du mal à m'en sortir. Donc du coup, ok. Donc là voilà, on attaque.
Très bien. Ouais, les stats sont pas très élevées. Bon, après, j'ai pas non plus de grandes lances 4 étoiles ou quoi. Donc, les stats sont un peu mitigées pour l'instant. Mais bon, pour une 4 étoiles, 4200, ça va encore. Hein, c'est pas non plus la mort. Donc là, j'allais augmenter le niveau pour voir. Alors, et on se caractère. Bon, jusqu'à où ça va monter. Alors, elle est où? Elle est là. Non. Celle-là. Non, pas celle-là. Juste au-dessus. Voilà. Donc ici, on va utiliser cette potion-là. Très bien. 4300 et presque 4000 de critiques. Ça va. Pour un 5 étoiles, pour un 4 étoiles, ça va pour l'instant. Après, je la mettrai 5 étoiles donc plus tard. Je farmerai les points. De toute façon, je sais pas combien de durée il reste exactement pour le ranking, enfin pour le ranking, c'est plus justement le titre du ranking, mais pour le... comment on dit ça déjà? Pour l'Incrad, voilà. Pour le mini-Incrad. Donc, il reste combien de jours? Ouais, il reste 19 jours, donc on est vraiment large sur la chose. Donc ça va. Peut-être que je farmerai au moins les points... histoire d'avoir 5 étoiles, peut-être que ça m'aidera un petit peu à remplir un peu plus cette chose-là. Parce que je rappelle, il me reste toujours le 25e étage à faire. Et le 19-20, où il faut que je le tue en moins de 45 secondes aussi. Et le problème, c'est qu'il me faut des gros personnages d'arc et ayant quelques étoiles. C'est pas facile, mais bon, au moins, on est tranquille sur la chose. Du coup, oui, voilà. Et n'oubliez pas aussi que vous avez la mission-là que vous pouvez faire. Hein. 3 fois par jour pendant 4 jours là pour tenter de gagner des Sun Dust qui vous permettront de gagner diverses choses comme des Rainbow Essence, des Exchange Sword et des armes exclusives. Donc voilà. Donc là je ne sais pas qui est le boss exactement là parce que la dernière fois c'était lui. Et là ce sera donc peut-être. J'espère que ça va bloquer sur un chargement comme ça pourri. Attendez, je vais jouer la prévenance, je vais mettre pause. Voilà. Donc, bah, c'est un personnage lumière. Les Halloween vont sûrement bien vous servir pour ce boss-là. Si je me rappelle bien, ce boss-là, on l'avait déjà eu une fois en ranking. C'était celui qui jetait des chats et des pots qu'on pouvait renvoyer. Donc, à mon avis, je pense que c'est à peu près le même boss. Hein. Sans difficulté apparente. Bref, voilà. Et ben voilà, ce sera tout pour cette vidéo. On va aller voir peut-être ce que j'ai pas été voir, vu que je viens d'ouvrir le jeu. S'il n'y a pas des nouvelles choses dans l'outil qui étaient annoncées, parce que c'est là qu'on se souvient un petit peu là, avec les événements qui nous mettent. Il n'y a pas énormément d'événements. Donc, est-ce qu'ils vont nous remettre un événement bientôt? Sinon, ça c'est un événement. Ah, il y a un souci de debug. Alors, issue regarding the Scoot Chevalerisk Men Banquet. Qu'est-ce qu'il y a eu? Rond caractère. Et Gil Klein, rond caractère. Ah, il devait avoir un petit truc. Ah, ok, bah, apparemment il y a eu un bug avec la bannière, je crois, la bannière. Qui rendront les 250 MD à ceux qu'ils avaient invoqué au step 5, je crois, ouais, c'est ça, au step 5, où ils ont eu les mauvais personnages, parce qu'apparemment, quand ils allaient au step 5, ils donnaient pas les personnages, parce que normalement, quand on fait step 5 et que la 5 étoiles garantie, on devrait tomber soit sur Egil, ou soit sur Klein, soit sur Egil. Et apparemment, des personnes ont eu un bug et sont tombées sur les autres 5 étoiles qui n'étaient pas dans ce portail. Donc du coup, ils vont donner les 250 MD et bah, ça leur fait gagner un 5 étoiles au final. Hein. C'est sympathique de leur part d'avoir fait ça. Bref, voilà. Allez, c'était Kirito, je vous laisse là. N'hésitez pas à liker la chaîne, vous abonner, etc. Je vous dis à la prochaine, salut !